avec une planification très sévère, très stricte, qu'il applique parfaitement bien. Les doubles champions d'Europe de danse sur glace. Nathalie Péchala, Fabien Bourza. Avec cette chanson de Jimmy Somerville, People Are Strange. Weakening. Rassurez-vous, hein, tout va bien pour notre amie Nathalie Péchala. Quoique, êtes-vous sûr? On va, hein. On va le savoir. Il y a du Dr Frankenstein dans l'air. Faces come out of the rain when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Some men seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you are down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. Faces look ugly when you're alone. Some men seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you are down. People are strange. Les gens sont étranges. Hein. Ils savent faire. Oui, ils savent tout faire. Ils savent faire. Pour mettre déjà le public dans leur poche. Très beau programme. Plein d'humour, plein d'amour. Elle a un côté Marion Cotillard quand on regarde son visage. Vous n'êtes pas le premier à l'avoir dit. Ouais. Je l'ai entendu souvent pendant ces 4 jours ici à Beaujani. Ouais. En tout cas, je disais que le même destin que Marion Cotillard avec l'Oscar qu'elle avait connu. Qui comme sait meilleure actrice. Qui sait. Peut-être la reverra-t-on également au cinéma après sa carrière de danseuse. Mais en tout cas, l'Oscar, c'est peut-être la médaille olympique après laquelle ils courent tous les deux depuis une douzaine d'années. Allez, c'est un couple, là, on le rappelle, hein, qui a été obligé de voyager énormément, qui a eu un horizon à un moment donné bouché par le couple Isabelle Delobel, Olivier Schoenfelder. Ils ont donc préféré partir, quitter l'académie de danse sur glace de Lyon pour aller voir ailleurs en Russie, apprendre, beaucoup apprendre, et puis ensuite partir aux États-Unis, apprendre encore, travailler, s'exiler loin de sa famille et revenir de temps en temps. Voilà, on va peut-être écouter justement Mademoiselle Péchala. En tout cas, ce sont de sacrés sacrifices qu'ils ont fait. Ce sont de gros travailleurs qui, en vrai professionnel, appliquent de vraies stratégies. Voilà, la capitaine de l'équipe de France, comme il est rappelé. Pour vous et puis pour la saison qui arrive. Nathalie, c'est à vous. Alors déjà, merci beaucoup pour l'accueil que vous nous avez réservé pour cette grande compétition qui va précéder évidemment les championnats d'Europe et les Jeux Olympiques de Sochi.
Merci de nous accueillir, c'est la première fois qu'on patinait là et je pense que ça va être un plaisir de revenir. J'espère que dans le public il y a beaucoup d'enfants qui vont avoir envie d'essayer ce sport et devenir le champion de demain. On a besoin de relève. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié le spectacle qu'on vous a offert tout au long de cette semaine. Tous ensemble pour Sochi 2014, on croit en nos chances de médaille et on espère que vous serez là à nous soutenir. Voilà, merci encore et puis bonne soirée. Il n'en faut pas beaucoup pour que les larmes arrivent. Hein. Il y a un petit peu de sanglot dans la voix. Et vous avez remarqué, quand on lui donne le micro à Nathalie, c'est difficile de le lui enlever. Ouais. Mais elle s'était à un moment donné destinée à des études un petit peu de journalisme. Ouais. Mais aussi de gestion. Elle a eu un diplôme de gestion, je crois, auprès de l'école de management de Lyon. C'est dans ce cadre-là où, effectivement, elle avait effectué d'ailleurs à Lyon des essais dans le journalisme dans le cadre de cette formation. Allez, on va les revoir sur la glace. Elle a parlé pour les deux, bien entendu. Ah, c'est leur programme libre, le Petit Prince et la Rose. C'est que cette musique a presque des accents russes par rapport aux jeux de Sochi. Vous croyez que ça peut jouer, Annick? Non. Pour tout vous dire, je pense que lorsque l'on a comme adversaire des Russes pour une médaille olympique, il faut plus que des notes de musique. Il faut des performances sportives. Et c'est ce qu'ils sont capables de faire. On va trembler pour eux. Ouais. On va vibrer, on va trembler pour eux et on va leur envoyer toute notre énergie, bien qu'ils en aient tellement eux-mêmes. Jolie performance en tout cas de Fabian et de Nathalie. Ouais, ils sont très en forme. Ils sont très en forme parce qu'ils ont traversé le globe terrestre en toutes parts en 4 mois. Et ils ont accumulé beaucoup de miles. Hein. Encore oui, ils ont dû accumuler beaucoup de miles, ça c'est vrai. Mais beaucoup de résultats aussi. Oui, aussi. Parce qu'ils ne sont jamais revenus sans une place sur un podium, quand ce n'était pas la plus belle. Ouais. Ils sont frais, une victoire à la Coupe de Chine, une troisième place à Paris. Après, il y a eu donc cette finale à Fukuoka et la saison avait commencé pour eux avec le Masters à Orléans. Une première partie de saison bien dense. Là, ils vont savourer quelques jours de repos. On les reverra à Courchevel pour le gala qui est diffusé sur France 3 le dimanche 29 décembre. Le gala est enregistré samedi prochain. Rémi Balert.